Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour ce quatrième épisode du Let's Play The White Knight. Alors, aujourd'hui, on va chercher un petit peu à quoi sert cette clé qu'on avait avec nous, qu'on a trouvée dans la bibliothèque. On va déjà commencer par prendre les allumettes, parce que là, c'est nécessaire. Ouais, moi aussi, j'espère en trouver plus, parce que là, ça commence à être un petit peu la dèche niveau allumettes. Donc voilà, on va essayer de speeder un peu. D'éviter d'aller trop dans le noir, parce que vous savez bien que dans le noir, on finit par mourir. Alors, vous ne l'avez pas vu, moi je l'ai vu, hein. Il y a autre chose là. Il y a encore une boîte d'allumettes. Je me sers. Donc, vous voyez déjà. Ça commence à faire de la musique, à trembler. Et en fait, on a le fantôme qui vient nous chercher. Donc, il faut vite aller à la lumière. Voilà, comme ceci. Et là, ça va nettement mieux. Hein. Vous l'avez vu. La musique s'est mise en place. L'écran a vibré. Effectivement, j'étais pas avec vous quand je suis mort déjà une fois, donc vous n'avez pas vu, mais en gros, voilà, le fantôme nous attaque, on meurt, bah, tout simplement, et on reprend à la sauvegarde. Donc, parfait. Donc là, on a 10 allumettes, on est large, hein, pour le coup, là. Par contre, il n'y a plus du tout d'allumettes dans la pièce. Normalement, les allumettes, il y en a en masse, hein, on va pas rester bloqué avec des allumettes, enfin, je l'espère. Donc, on reparcourt tout. Je pourrais peut-être sprinter un peu plus, aller voir le journal aussi, tant qu'à faire, je me suis gouré de touches. Il me manque quelques cases, hein. Je vous avouerai, voilà, pas énormément. On est quand même pas mal. Mais j'aimerais bien terminer ce deuxième chapitre. Hein, donc, assez rapidement. Donc là, il va faire nuit. J'économise. Hein. Voilà. Donc je le mets vraiment au dernier moment. On va essayer de se dépêcher. Pas le journal, j'ai dit. Je me gourre, hein, parce que c'est U et J pour. Oh, bah ça y est, c'était de ça. C'est U et J. J c'est pour le journal et U c'est pour justement sprinter. Donc je me trompe. On appuie sur espace pour l'action. Voilà. Et là normalement. Alors c'est pas la souris. Voilà. La boîte était fermée. On distingue une serrure avec une petite clé barrée, mais je l'ai déjà. Donc ce n'est pas ici. Ce n'est pas la bonne clé. Là d'ailleurs on peut sauvegarder aussi une fois, hein. Je trouve ça bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas de lumière. Bon, bref. Alors. On a encore une boîte d'allumettes. On va encore aller se servir. Ouh, le changement de caméra était un peu. Comme je vous l'avais dit. Donc là, quelques allumettes. Ok. Donc je vide vraiment les allumettes hein, cette fois. Hein. Je fouille à peu près tout. On a des bouquins. Normalement, on avait déjà tout vu. Hein, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas. La clé se trouvait dans un livre de cuisine. Était-ce un hasard? Alors vous voyez, là il a donné un indice. Hein. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille à la cuisine, tout simplement. Maintenant, hein, j'ai envie de dire où est la cuisine? Je ne sais pas pourquoi la musique s'active comme ça, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il me semblait pas qu'elle était comme ça avant. La cuisine! La cuisine! Voilà, je crois que j'ai trouvé. Yes! Ah, alors que se passe-t-il à l'intérieur? Alors, je pensais ch chercher un petit peu plus longtemps que ça, j'étais perdu la dernière fois. Je sais aussi, hein, j'ai vu sur le net que, apparemment, si vous sonnez dans la bibliothèque, pour ceux qui sont. 40 allumettes! D'accord, 40 allumettes, rien que ça. Donc là, on est bien. On est bien, 40 allumettes. Je vais refaire un tour une fois, là, parce que je vois, il y a pas mal de choses. Il y a une porte notamment. On va commencer par regarder ça. La dague avait servi à graver Selena avant d'être plantée avec force. Ok. Ce morceau de viande pouvait provenir de n'importe qui ou quoi. Non, de n'importe quoi ou qui, pardon. Ah, une allumette. Ah, il y a des allumettes partout, vous avez vu. Donc, s'il y a des allumettes partout, ça veut dire que là, je risque d'en avoir besoin. Voilà, encore 40 allumettes. 40 allumettes. Pourquoi 40 allumettes? Alors, il y a un bouquin. Journal de William Whisper, fragment 21. On va essayer d'aller un petit peu plus vite sur les textes parce qu'il y en a beaucoup. Et je pense que ça va peut-être pas vous intéresser. Alors, 9 juillet 1922, foutu Volstead Act. Voilà une semaine que Witherstone, désolé hein, pour l'accent et les mots que je ne connais pas, n'a pu obtenir de Bourbon. Depuis que la police a saisi la distillerie de Bakefort, la ville est au régime sec. Je vais devoir faire des bouteilles d'alcool avec le prochain cargo qui partira dans Danang. L'alcool asiatique me détruit les boyaux, mais je n'ai pas le choix. Cela va prendre des semaines. Ces salauds de flics corrompus dorment sur leurs deux oreilles. Personne ne sort de l'ombre pour les attaquer la nuit venue. Paternalisme cupide et hypocrite. Les pauvres. Alors, comment on fait déjà pour descendre? Je ne me rappelle plus, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Enfin, longtemps. Quelque temps. Paternaliste stupide et hypocrite. Et les pauvres, il leur reste quoi? Avant de vous préoccuper de ma santé, demandez-moi d'abord si je veux aller mieux.
Je devrais sortir, essayer de trouver de nouveaux contacts, mais les ombres me suivront, et dehors, ne serait-ce qu'au volant, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. C'est inquiétant. Alors, je pense que ces journaux, ce sont des choses annexes, hein, donc là, il y a encore des allumettes. On va servir. Faut vraiment être à 12 tout le temps, je pense, parce que s'il y en a 40, c'est pas pour rien. Ah, là, il y a quelque chose à regarder, là. La vaisselle de l'évier grouillait de vie. D'accord, donc c'est crade. C'est crade. Là, on a quelque chose. Malgré son air fatigué, le frigo fonctionnait encore. Très bien. La cuisine devait être une pièce vivante des années plus tôt. Ok. Ah, j'adore ce jeu. C'est vraiment Alan in the Dark, hein, j'y ai repensé. Clairement, on est là-dessus. Alors. Cuisine, couloir. Alors, ce qui m'embête, c'est que. Alors, soit. On va la refaire un coup. Tout est allumé. Normalement. Si je ne suis pas fou. Non, non. Tout n'est pas allumé. Donc. Voilà. Ouais, il gère deux lampes à la fois. D'accord, ok. Alors, comment on est justement niveau lampe? Là, j'ai allumé le couloir. Sortir la lame exigeait que j'utilise mes deux mains. D'accord, donc il faut déjà allumer la lumière de la cuisine pour sortir la lame. C'est ça qu'on va faire. Alors, on retourne ici. Donc, je disais tout à l'heure, dans la bibliothèque, il y avait des portraits, si vous vous souvenez. Et ces portraits, en fait, on pouvait les planter avec une dague. Après, a priori, de ce que j'ai vu sur Internet, j'avais essayé de planter une dague, enfin une dague, un couteau, sur une des deux affiches. Ça a marché sur l'une des deux, et l'autre, je n'ai pas réussi. Puisqu'il me disait que j'avais pas assez de lumière, alors que la lampe était fixée dessus, hein, il y a une petite lampe de chevet en fait. Et donc du coup, en fait, il faut simplement rebouger cette lampe de chevet pour pouvoir. Voilà. Il faut simplement rebouger cette lampe de chevet un tout petit peu et ça remarche. Je sais pas si c'est un bug ou pas. Donc là. Alors là, d'accord, ok, on y retourne. Voilà, donc il faut que les deux soient noirs, mais je pense qu'on ne peut pas avoir les deux noirs en fait. Ouais, c'est voilà, d'accord, ok. Ok, c'est l'un ou l'autre. Là, j'ai éclairé que le couloir. Donc j'ai déjà commencé par éclairer que la cuisine. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir me servir de mes deux mains pour pouvoir justement. Donc en gros, hein, les combinaisons qu'on voit, c'est soit rien n'est allumé, soit que la cuisine, soit que le couloir. On ne peut pas allumer les deux. Voilà. La lame avait été plantée avec une force surprenante. Mais je l'ai récupérée. Tatatin, petite musique. Alors là, du coup, est-ce que je peux revoir? Je peux revoir. Ça me sert à quoi? Ce qui était gravé était soit très amoureux, soit très en colère. Ouais, Selena, elle est un petit peu. C'est le fantôme, hein, qui nous tue, hein. Vous savez bien. On va essayer de rallumer cette lumière là maintenant. Alors déjà, craquage d'allumettes, comme d'habitude. Et maintenant, on va allumer justement le palin. Voilà. Uniquement le couloir. C'est notre objectif. On sort. Donc là, la porte qui est là, on peut y aller. Je vais juste retourner en arrière vite fait en courant un peu parce que j'en ai marre de me traîner. C'est vraiment la. Oh! J'ai vu quelque chose là. J'ai pas fouillé l'armoire. Ah oui, les allumettes. Brave. Pas besoin de le savoir. Ici, on revient en arrière, hein, ça c'est normal. C'était volontaire de ma part. Pourquoi les bûches ne fonctionnent pas? Ok. Je retourne juste là quand même pour voir si on peut pas faire autre chose. Parce que je sais qu'il y a pas mal de choses. Donc il y a Selena. Bon, on laisse tomber. On avance un petit peu, sinon ça va vous saouler. Donc pas mal d'aller-retour. Hein. Vous avez vu, on est obligé d'aller dans la bibliothèque avant. C'était fait pour. Bon, j'ai allumé le couloir qui je suppose est derrière la porte, puisqu'on voit du blanc en fait sur la porte. Enfin, on le voit mal, mais a priori c'est là. Voilà! Donc là c'est éclairé, par contre je suis enfermé. Sauf que, avec le couteau, en théorie. What the fuck? Non, attendez là, il y a un problème là. Alors, autre chose, justement avec ce couteau, est-ce que je dois pas aller dans la bibliothèque? Je pense que c'est ça. Voilà, je me resserre vite fait une allumette avant d'avoir peur parce que j'ai peur. Vite, craque une allumette. Voilà. On va prendre les allumettes qui sont au bout. On va essayer de courir un petit peu.
Voilà, ça fait vraiment du bien cette cuisine, hein. 80 allumettes, ça m'aide beaucoup, c'était un peu de jusque là. Oula! What? Ah oui, ok, il y avait le fantôme. Ouais, c'est Léna, je suis mort. Tout simplement. Alors, on reprend la sauvegarde. Voilà, donc pas de soucis, hein, bien sûr. On est à la sauvegarde, donc j'ai pas eu le temps de sauvegarder, évidemment. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est un peu embêtant. On va essayer de le refaire quand même. Là, je reviens. C'est dans le bureau là. Oui, c'est le bureau. Ok, parce qu'en fait, j'avais pensé à planter les deux couteaux justement dans les affiches. Je me dis que ça aurait pu servir à ça. Le problème, c'est que je ne peux pas sortir de la cuisine. Et clairement, le jeu, de ce que j'ai vu, hein. Je raccroche une allumette vite fait. On y retourne. C'était pas ici. Alors, je suis perdu, hein. C'est aussi le problème du jeu, c'est ce qu'on lui reproche. Il y a quelque chose qui me suit ou c'est moi là? Alors, il y a des allumettes là. Ici, je vais les piquer. Une seule. Voilà, vous voyez, je suis déjà attaqué. Sauf que j'avais déjà mis la lumière. Donc visiblement, Selena nous suit. Là, c'est un peu embêtant parce que là, il faut vraiment que j'aille à la cuisine. On va la refaire. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu un peu plus la galère cet épisode, hein. Mais au moins, voilà, vous savez maintenant qu'on peut mourir facilement. Donc je prends les allumettes. Je les allume le plus tard possible et je vais sprinter. C'est bizarre d'ailleurs qu'elle m'attaque comme ça. Elle m'attaquait pas avant. Allez, c'est parti, on va tout droit. Ah, et c'est pareil, hein, comme je disais, sur Internet, c'est un peu il est mal aimé ce jeu. Enfin, il est mal aimé. Certains ont des a priori parce que justement, on le voit, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, ok. Ne pas essayer. Alors, elle est où? Elle est où là, la Selena là? Elle est à droite, on voit, il y a des trucs à droite. Mais moi je suis perdu moi là-dedans. Elle est à gauche, elle est à gauche. Elle est à gauche. Elle est à gauche. Du coup on sprint un peu. Je pensais pas que c'était le rush comme ça. Voilà la cuisine, on y retourne. Voilà, j'ouvre et je rentre dans la cuisine. Ça c'est génial. Donc ça on l'a déjà vu. Je sprint, je sprint, je sprint. On va allumer la lumière. La lumière de la cuisine. D'abord, voilà, pour aller ramasser, vous savez bien. Donc là, on est protégé normalement. Elle peut pas nous attaquer en pleine lumière, hein. Même si la lumière éclaire mal, ce sera un petit peu abusé. Donc là, ok. Donc ça, on l'a déjà vu. Moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer. Ouais, bah, éteins ton allumette alors. Éteins ton allumette. Voilà. Donc pour éteindre l'allumette, je rappelle, il faut appuyer plusieurs fois sur entrée, hein. Une fois sur entrée pour la récupérer. Donc là, on a vu derrière que la porte était condamnée, donc c'est pas la peine d'y aller. Si je voulais juste aller voir près du placard quand même. Donc là, bah ouais, forcément, il me remet toutes les animations. Ça, c'est un peu dommage parce que du coup, je viens de jouer, donc j'espère que je ne perds pas tout ce qui est journal, hein. Ça m'inquiétera un peu plus. Et bizarrement, vous voyez, quand on allume la lumière de la cuisine, il considère que, en fait, je m'exprime mal, excusez-moi. Toute la pièce est éclairée, même si jamais il fait noir, ce qui est un petit peu illogique, mais enfin bon, pourquoi pas. Donc là, maintenant, on va craquer une allumette. On va allumer le couloir. Donc comme ceci, voilà. Je me barre. Et on va essayer d'aller sauvegarder déjà comme ça serait génial. Évidemment, sans se prendre la petite Selena sur la tronche. Mais en fait, j'ai l'impression que quand on sort, elle nous tombe dessus directement. On va voir ça de suite, hein. Je passe par le côté droit en tout cas cette fois. Visiblement là ne m'attaque pas. On va retourner vite fait dans le bureau. Hein. C'est vraiment pour sauvegarder, pour dire voilà j'étais dans la cuisine. Donc je disais j'espère que les bouquins. Alors voyez, ce changement de caméra, on ne sait plus. Elle est à gauche, elle est à gauche. À droite, pardon. Non, 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 allume une allumette, allume une allumette. Voilà, merci. On va sortir par là. Je ne sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Elle est là, elle est là. Non, 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 non. Non, lâche-moi, 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 lâche-moi. D'accord. Elle m'attendait au tournant. Elle m'attendait au tournant. Non! Le fail! Bon, on la refait.
Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs Selena aussi, peut-être une impression. Je prends les allumettes. On y retourne. On va essayer de, cette fois de pas se faire choper, on va faire le tour. Normalement on est censé courir. En courant on peut l'éviter, mais là voilà, mais bizarrement j'ai pas réussi. Je ne sais pas pourquoi. Alors ne pas se perdre, vous voyez, je suis perdu avec les pièces, je sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup de mal à me repérer, parce que déjà on ne voit rien. Non, non, tu rallumes les allumettes. Voilà. Et surtout, bah du coup, il y a les changements de caméra, on ne sait plus. Voilà, elle était juste derrière, vous l'avez vu. Vous avez vu l'ombre. Enfin, j'espère que vous l'avez vu. En tout cas, moi, ça me fout vraiment les boules, ce jeu, au final. Hein. Ça me stresse! Voilà, j'ouvre la porte de la cuisine, vous êtes habitués. Je vais vraiment les sauvegarder à la lumière, comme ça, on va être tranquille. Voilà, on va récupérer le couteau. Le reste n'est pas important, vous le savez bien. Voilà, s'éclairer évidemment. Alors, je sais pas pourquoi il y a des allumettes qui craquent des fois. Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que j'appuie trop sur sur entrée. Voilà. On y va vite fait. On quitte. Alors, là, je commence à sprinter. Là, on est en speedrun. Voilà, donc la dague, ok, ça on le sait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire échappe pour virer le l'animation. Alors, il faut que j'enlève mon allumette. Donc je clique deux fois sur entrée. J'appuie sur espace pour ramasser la dague. Ce que j'aime bien par contre, c'est que le jeu, voilà, il n'y a pas beaucoup de commandes, ce qui fait qu'on on est quand même assez guidé. Ça c'est bien. Je vais recraquer une allumette juste avant d'aller évidemment allumer cette loupiote. Voilà. Gaspillage un peu d'allumettes, mais peut-être pour ça qu'il y en a plein. Alors, espace, on fait ceci. Ne pas se faire choper cette fois, j'espère. Donc voilà. Ça, on le sait déjà. Là, j'ai allumé que le couloir. C'est parfait, c'est ce que je voulais. On va vite ramasser les allumettes. Et on va essayer de se tracer dans le bureau. Hein. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est sauvegarder pour pas qu'on puisse refaire ça. 31, pourquoi 31? 28, j'en ai pas ramassé tant que ça. Ah oui, peut-être que tout à l'heure, je suis passé une fois déjà. Alors. Là, il faut sprinter. Hein. En évitant, évidemment, la petite Selena qui est à droite. Là, vous voyez sur l'écran, elle est à droite. Donc, je me trace. Il y avait des allumettes ici aussi, mais il n'en reste plus qu'une, je crois. Donc, aucun intérêt. Non, 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 non. Voilà. Sors par là. Sors par là. Non, pas le journal. Pas le journal. Je me gourde de touche parce que U et J, c'est collé hein, sur le clavier. Donc, là, elle est dans le coin. Enfin, on l'a vu tout à l'heure. Je sais pas si elle est toujours là. Non, là j'ai eu quelque chose là. Pourquoi il y a eu. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à revenir ici. Alors maintenant il faudrait que je puisse retrouver ce bureau qui est là-bas. Donc là normalement je suis tranquille au bureau, hein. C'est fait pour sauvegarder. Vous allez pas me tuer, hein. Voilà. Mon bureau. Et on se rassoit. Donc j'ai récupéré une dague. C'est formidable. Je pense qu'on va aller essayer de la planter dans la bibliothèque dans la deuxième affiche qu'on a vue. Je sais absolument pas si c'est ça qu'il faut faire, mais on va le tenter, hein, parce que sinon je ne sais pas où aller, sinon il faudrait que je regarde sur internet comment faire. J'ai un doute que ça marche en fait, enfin je veux dire, je vois pas pourquoi ça marcherait. Après, c'est à essayer. Bon, encore 5 allumettes, je sais pas si les allumettes ont été remises ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Donc on va aller dans la bibliothèque, c'est parti. Donc là, vous l'avez vu au dernier épisode, et nous allons aller, alors je sais qu'il y a une affiche par là en plus, c'est pour ça que ça me gêne un peu. Là, ok. Non, non, pas ça. Voilà. Heureusement que la cuisine est un petit point de. Donc, ici, elle est où la lampe? Je cherche une lampe. Elle est branchée, ça c'est bon. La lampe. Oh! Ici. Ici. Ça va peut-être m'aider. Voilà. Clic. Clic. Totalement cassé, mince, c'est pas celle-là. Alors là, c'est juste après. Vous voyez, avec les changements de caméra, du coup, on est perdu. Voilà, ici. Voilà, ce que je vous avais montré. Vous vous souvenez? Là, on éclaire à gauche. On peut aussi éclairer à droite. Éclairer comme cela. Et en fait, je m'y prenais mal. S'il y a deux couteaux, c'est pas pour rien. Clairement, je m'imagine mal. Voilà, et là, on plante le couteau. Vous avez vu, là, ça marche. Alors que la dernière fois, ça marchait pas. Ce n'est qu'une image, me dis-je, et je plante la lame. Le déclic mécanique tinta comme un verrou de mon esprit. Vous voyez, c'était ça qu'il fallait faire. Sauf que là, j'ai mal vu. Pourquoi il y a une lumière à droite qui bouge, là? D'accord. Là, je suis dans le noir, par contre. Alors, pourquoi c'est éclairé ici?
Je peux regarder quelque chose. C'est pas. Probablement ceux de Selena étaient-elles blessées? Je ne sais plus si on l'a vu la dernière fois ou pas celle-là. Mais en tout cas, ils vont vers le mur. Donc je pense que le mur s'ouvre. Forcément. Alors, quelle action on peut faire? On peut juste regarder. Ah! Ah! Tirer le bouquin pour passer derrière. Clic! Ah! La chambre secrète. Petite musique, allez. Nouvelle pièce. Déjà, je suis content, on a avancé déjà pas mal dans cet épisode. J'ai eu la bonne idée de planter, vous avez vu comme sur les affiches. J'étais persuadé que ça allait pas marcher. Alors, comment ça se présente? On va déjà faire un tour. Ah, la lumière. Clic. Elle est déjà cassée aussi celle-là, elle est cassée. C'est bien qu'on puisse se poser. Alors, le fil est débranché. On va essayer de le rebrancher. Ce serait bien qu'on puisse s'éclairer convenablement. J'oublie tout ça, je suis le fil. Hein. Vous avez vu le fil qui va là-bas. Qui va là-bas. Qui va là-bas. Ok. alors, on oublie ça. On oublie cette histoire parce que là, il y a une porte. Vous voyez, il est caché derrière la porte. Et moi, ça ne me tente pas. Donc, déjà, recraquer une allumette. Alors, déjà, vous avez vu les changements de caméra encore qui sont. Oh! Oh non, 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 non. Elle m'a chopé! Elle m'a chopé. Donc, là, vous avez vu, il faut pas aller à cet endroit-là. Bon, maintenant je sais que. Voilà, on peut reprendre à la sauvegarde. Et comme j'ai mon couteau, ça va pas être très long de le refaire. Et ça, c'est cool. Alors, déjà, je vais récupérer. Donc, là, on galère un peu plus. Je sais pas pourquoi tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Déjà, moi, pour moi, c'était il y a longtemps. Mais pour vous, en tout cas, l'épisode d'avant, on mourait jamais. Ou presque. Là, c'est la folie. Hein. Là, on meurt tout le temps. Hein. On est déjà mort 3 fois déjà. On va essayer de couper un peu à travers cette bibliothèque. Sans faire le tour, à savoir tourner ici, voilà. Là, je rallume. Tourner à droite, voilà, si on peut, voilà, ce sera plus vite par là. On va re-sauvegarder hein, pour être sûr. Ça nous évitera de recommencer. Ok, donc on rééclaire, on va voir des fois, cette fois si c'est pas buggé, je suis en plein milieu, donc ça devrait marcher. On va vers cette fameuse affiche. Donc là, je range mon allumette et on réessaye de planter. Ouais, ça marche du premier coup. Je sais pas pourquoi la dernière fois ça marchait pas. Je plante la lame. Je toque dans l'œil. Et voilà. Et là, clic. Donc là, la lumière s'allume. On voit les traces de pas. Donc là, j'en profitais pour aller sauvegarder. Ça, c'est juste pour éviter de perdre du temps. C'est bien par là, hein, par contre. Hein. Ok, je suis où là en fait? Il y a un truc qui me gêne, c'est que. Alors en fait, je vais pas les sauvegarder parce que c'est assez rapide. Le problème, c'est que là, je suis perdu. Vous voyez, ça, c'est à cause de la caméra. On va ouvrir le bouquin. Ça, c'est bon. J'ai toujours mon allumette à la main. Vous avez vu que Selena est au fond. Hein. Je ferai attention cette fois de ne pas me faire choper. On va regarder rapidement ce qu'il y a. Si j'allume la lumière, c'est gagné. Hein. C'est ça qui m'étonne un peu. Donc, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le trait de ces croquis de corps nu était nerveux, tracé dans l'urgence. Non, non. Une mauvaise idée, elle est à côté quand même. Hein. Elle est assise sous son fauteuil. Donc là, on risque de la voir doucement. Les Alors, des photos. De journaux parlaient toutes du loup de Lake Noir, un tueur en série qui s'en prenait aux femmes de la région. Alors là, elle est à droite normalement. Je sais pas si on peut la voir. Normalement, elle est là, vous voyez, à droite de l'écran. Elle est là. Donc on ne peut pas passer. Donc ça, c'est pas plus mal. Évidemment, voilà, un plan de merde, vous avez vu, on était caché derrière. Non, c'est vrai que je m'en plains, mais globalement, c'est quand même bien. Hein. Julian de William Wesper, fragment 13. C'est bizarre parce que dans le journal de Wesper, je n'ai que 3 sur 25. Bon, bref. 20 février 1932, tout au long du chemin, depuis le Smoke and Mirror, sa voix ne m'était pas quittée. Cette fille était un phénomène. Elle s'est présentée à la salle sous le nom de Selena. Il semblait qu'elle vienne d'arriver en ville. D'accord. Il y a dans sa voix une mélancolie très familière. C'est un rayon nocturne. Elle caresse comme un vent froid tombé d'en haut. En quelques minutes, même les ivrognes les plus brûlés par l'alcool étaient assis devant la scène. Certains à genoux, ils pleuraient. Elle est jeune. Cela se voit, mais ne s'entend pas. Son chant
à la sagesse de plusieurs vies et elle a ravivé une chaleur éteinte depuis longtemps. C'est très très bien écrit, hein, je précise. Mon âme était comme lavée par son chant, comme l'eau distillée que l'alchimiste jette sur les scories de son œuvre inachevée. J'ai alors repensé à une vieille amie très proche et très lointaine, mais qui, elle, ne descend jamais sur terre. Eh ben, dis donc, quelle histoire. Alors, qui c'est qu'on a d'autre là? Selena Van, qui encore la propriétaire, avait une obsession pour la chanteuse. Oh là, non, elle est pas loin, ne me faites pas peur, comme ça, elle est assise. Bordel. Non. Pourquoi je perds des allumettes comme ça? Alors, ok. Le journal de Selena, on va le dire aussi quand même. Lettre de Selena à William, fragment. Alors, c'est illisible. 3, je suppose. Nous passons à l'été 1935 à faire la fête. Jim n'arrête pas de nous sortir et rencontrer des gens. De nous faire sortir et rencontrer des gens, c'est son job de producteur, dit-il, il paye tout. Il me fait toujours trop boire en prétextant que les filles du Nord sont de bonnes buveuses, ce qui n'est pas mon cas. Mais j'aime l'alcool, je découvre le whisky et je finis souvent ivre. Nous commençons à jouer le long de la côte, enchaînant les concerts. Des gens viennent me voir à la fin pour m'offrir des fleurs, me dire qu'ils ne ratent aucun de nos passages. J'ai du mal à y croire. Pourtant, je sens déjà que je change, mes yeux s'habituent à la lumière des projecteurs, je suis plus à l'aise sur scène et je découvre la séduction du public. Celle des hommes aussi, je leur plais, ils me trouvent belle et j'en profite. Hein, petite coquine, hein. Les répétitions ont lieu chez Gatz. Ah, c'est pas, la petite coquine n'est pas dans le texte. Hein. Les répétitions ont lieu chez Gatz, notre batteur, et lui, il a une chambre libre, je finis par m'installer chez lui. Mes parents essayent de m'en empêcher, ils me voient grandir, impuissant, ils ont déjà l'intuition, je pense, de comment cela finira. Alors, dommage que je me souvienne jamais hein, des bouquins que j'ai lus avant, mais bon. C'est quand même écrit de toute beauté. Donc là, il n'y a personne. Ah, la lupiote. Clic. Clic ou pas clic. Ok, là c'est éclairé là. Voilà, c'est éclairé. Est-ce que je peux dormir dans ce fauteuil? Oui. On peut sauvegarder. Donc on va venir sauvegarder après qu'on aura fouillé la pièce. Et je pense qu'on s'arrêtera là. On n'a pas beaucoup avancé. Hein. Je suis désolé pendant cet épisode, mais c'était un petit peu la galère. On a fini une étape parce que je pense que... Alors 8, on va les ramasser. Voilà, c'était vraiment une étape. Donc là, ne pas se prendre dans la coquine. Je regarde si on la voit ou pas. Quelque chose me dit que ce n'était pas l'œuvre d'un gamin. Donc là, elle n'est pas là, je ne la vois pas. On a quelque chose dans le coin, là. Ah, des photos. Alors, 28 août 1912, le premier disque de William, Le Clair de Lune... de Debussy. Oui, très jolie musique en plus, Le Clair de Lune. D'accord, c'est vraiment bien fait. Là, on est vraiment sur de la photo, limite. Plus que sur de l'animation. Et ben, je trouve ça très joli, en couleur. Pour une fois qu'il y a des choses en couleur, vous avez vu un peu de rouge dans le jeu noir et blanc. Hein. Donc voilà, parfait. Alors, là, on a fait le tour. Je vais doucement pour pas me prendre. Qui, je suppose, est Selena. Par contre, là, le problème, c'est que l'angle de la caméra est totalement minable. Ce qui fait qu'on ne voit pas où on va. Je vais essayer d'avancer un peu plus, ne pas mourir. Non, pas maintenant. Est-ce qu'elle est toujours dans le coin, la coquine? Je pense que oui. Est-ce qu'on la voit à gauche? On ne la voit pas. Mais elle est là, hein, elle est dans l'ombre. Donc, alors attendez, ce qu'on va faire... Est-ce qu'on peut se rapprocher juste du bureau, quand même? Avant qu'elle m'attaque. Mais je pense que là, elle est juste à gauche. Le personnage de la lampe soutenait autrefois une ampoule. Ok, donc il me faut carrément une ampoule, hein, vous avez vu. Alors là, elle est juste à droite, en fait. Hein, je regardais à gauche, mais elle est à droite. Donc ça, c'est bon. Ça, on a déjà fouillé. Hein. Là, je pouvais regarder, mais... Ah, des fois, c'est bugué comme ça. Voilà, comme ça. Non, là. Donc ça, on l'a déjà vu. Ok, normal. Ok, donc ce que je vous propose, moi, c'est de revenir... La lumière, on ne peut pas l'allumer, il faut une... Il faut qu'on aille rebrancher. Et il me faut aussi une ampoule. Donc ça avance un petit peu quand même. Par contre, là, la bougie, pourquoi elle s'est éteinte? Alors, là, je ramasse ça. Voilà. Et on va aller rallumer cette bougie. Donc c'est limité, mais en fait, vous voyez... alors, on va sauvegarder ici. Déjà. Voilà. Si je peux, hein, je sais pas si la lumière est suffisante pour sauvegarder correctement. En tout cas, moi, je sauvegarde. Sauvegarde en cours, et voilà. Du coup, je pense qu'on va se laisser. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tweeter, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Bye bye.